Bonjour à tous. Par la grâce de Dieu, effectivement, je commence mon ministère dans cette église de Neuilly. Et je sais que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous de belles bénédictions. Je suis confiant parce que la richesse de notre Seigneur est toujours prête à se déverser sous la forme des rencontres, sous la forme d'expériences communes. Et je mets tout ce ministère devant le Seigneur, en sollicitant également votre soutien, votre appui, la joie de pouvoir travailler ensemble avec les anciens, avec le comité d'église, avec toute l'église dans son ensemble, tous ceux et celles qui servent le Seigneur. Le mot d'ordre est pour moi, d'après la parole de Dieu, servir. Être au service, à l'écoute. On apprend, on grandit, et nous voulons faire avancer l'œuvre du Seigneur. Et pour cela, chacun a un rôle très important. Il suffit simplement de l'identifier et de faire en sorte que ce rôle puisse se manifester pleinement. Et c'est pour cela que nous sommes là, je pense, chacun d'entre nous. Et avec notre don, nos talents respectifs, nous voulons faire grandir cette maison commune qui est l'œuvre du Seigneur. Et en l'occurrence, l'église de Neuilly. Pour cela, chacun a un rôle très important. Pour commencer, j'aimerais rappeler un des piliers de l'Église adventiste du septième jour, comme le nom l'indique, c'est l'heureuse espérance du retour de Jésus. Alors, vous avez noté que dans le nom, dans le titre de l'Église, et je salue également ici ce matin ceux qui peut-être sont peut-être la première fois ou ceux qui veulent connaître un peu plus l'Église adventiste, ceux qui s'approchent du Seigneur à travers la parole. Eh bien, dans ce titre, il y a un des piliers qui s'appelle l'attente, le retour de Jésus. Le deuxième, c'est le sabbat, le septième jour de la semaine, qui est également important pour marquer une identité, pour marquer quelque chose de très précis, disons, dans l'ensemble de l'architecture des doctrines bibliques. Bien sûr, la Bible parle de l'amour de Dieu, la Bible parle de Jésus-Christ, la Bible parle du salut par le sacrifice de son Fils. La Bible parle de la vie en général, mais il y a des éléments spécifiques, des traits qui sont marquants. Le retour de Jésus a été depuis tout le temps, depuis deux millénaires, une attente extraordinaire. Tous les chrétiens attendaient le retour de Jésus. Et là nous sommes avec le texte qui a été lu tout à l'heure, et je remercie Michael, avec le texte du livre des Actes, le premier chapitre. Dès le départ, lorsque les disciples ont vu partir leur maître, les deux hommes habillés, revêtus de blanc, sont venus pour les consoler en disant que le même Jésus qui maintenant part reviendra. Eh bien, cette promesse a marqué l'espérance de tous les chrétiens tout au long du temps. Et l'ère chrétienne est remplie de cette espérance. Bien sûr, il y a eu des excès. Il y a eu des périodes où les hommes ont voulu faire un peu plus vite, aller plus dans la précision alors que peut-être la parole n'en parlait pas. Ou au contraire, ils ont peut-être négligé des aspects qui étaient là. Et le Seigneur a fait en sorte que ces traits, ces spécificités puissent apparaître à nouveau. Dans des extrêmes, il y avait la passion pour les chiffres, calculer, savoir quand. À l'autre extrême, c'était la négligence. Ce n'est pas notre problème. On verra. Et peut-être, ça ne sera pas dans ma génération. Ou peut-être, ça sera... Je ne sais pas. C'est un peu l'ambiance qui règne dans l'épître que l'apôtre Pierre a adressée. Et je vous invite à prendre avec moi la deuxième épître de l'apôtre Pierre, où il dit... Il y a certains qui disent... Chapitre 3, verset 4, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme le commencement de la création. Effectivement, il peut y avoir cette dérive, cet oubli, la routine, mais en fait, vous dites ça depuis toujours. Alors, tout chrétien confesse le retour de Jésus, mais... Il ne revient pas. Enfin, il reviendra, mais pas maintenant. Ou peut-être on ne sait pas.
Donc soit la passion pour les chiffres, soit négliger ce sujet. La parole de Dieu nous invite à avoir une vision équilibrée, harmonieuse, non pas à rechercher des chiffres et faire des calculs, mais à garder d'une façon animée, d'une façon vive, cette espérance dans le cœur de chacun. Jésus revient, et Jésus revient bientôt. Quelqu'un disait que chaque chrétien, chaque disciple du Christ vit dans la parousie, dans l'attente du Seigneur. Peu importe la date, peu importe l'événement, peu importe le moment, ce qui est important, c'est cette flamme qui est allumée, cette volonté de se dire « Je me rappelle, je sais, c'est une promesse vraie, Jésus revient. » On se souvient de ce que Jésus avait dit, Matthieu chapitre 24, verset 14, qui est une promesse extraordinaire, et j'avoue que cette promesse m'a toujours étonné, toujours émerveillé. Jésus avait dit, lorsqu'il était avec les disciples, que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage, et alors viendra la fin. Alors bien sûr, pour que la fin arrive, il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée. C'est logique. Autrement dit, si la bonne nouvelle n'est pas prêchée, Jésus ne revient pas. Voilà, c'est un calcul, disons, logique que j'ai nourrissé moi-même quand j'étais enfant et jeune. Ce qui fait qu'un jour, je suis allé voir un homme avec expérience dans l'église où je suis né. Je suis allé le voir et je lui ai demandé, à votre avis, si ce texte doit se réaliser, doit s'accomplir, cette promesse. Donc ça veut dire que chaque croyant, chaque adventiste, chaque porteur de la bonne nouvelle doit faire son travail. Et une fois terminé, Jésus revient. À votre avis, ça sera quand? Alors cet homme, rempli de sagesse par ailleurs, m'a regardé, il a dit, faisons un calcul simple. C'était dans les années 70, vous imaginez l'époque, deux blocs, l'Ouest, les pays communistes. Il fait un calcul, dit rien que la Russie, l'Union soviétique à l'époque, et tous ces pays satellites, si vous calculez le nombre d'athées, le nombre des peuples qui doivent être évangélisés, il a fait un calcul très mathématique, mais c'était décourageant, parce que multiplié par, en tout cas, je pouvais rester tranquille pendant des années, parce que Jésus ne pouvait pas revenir. Et il dit, à cela il faut ajouter d'autres pays où par exemple Jésus n'est pas connu, où il est connu mais mal. Il faut ajouter les pays musulmans, il faut ajouter aussi des pays où l'athéisme c'est vraiment une doctrine bien enracinée. Et là aussi il y a du travail, effectivement, si vous additionnez. Et son calcul était vraiment décourageant. Je suis parti de cet entretien beaucoup plus découragé que lorsque je suis arrivé pour poser cette question. Je me suis rendu compte qu'effectivement, humainement parlant, il n'est pas question de remplir cette promesse, en tout cas rapidement, parce que c'est un travail énorme, colossal. Quelques années plus tard, j'ai vécu la chute du mur de Berlin et tout ce que cela a engendré dans les pays de l'Est. Vous le savez, certains d'entre vous, je suis né en Roumanie. Donc j'ai vu la chute du communisme. Et j'ai eu la chance de participer à des conférences où les salles étaient remplies. Par exemple, une des salles la plus grande du pays, 5000 places remplies, bondées. Ça fait rêver chaque conférencier. Énorme. Et là, tous les calculs humains, en tout cas, nos calculs à nous, tombaient à l'eau. C'était rien. Pendant quelques mois, cette bonne nouvelle... Cela, vous ajoutez la technologie moderne. Aujourd'hui, c'est des moyens incroyables qui sont mis en place. Les réseaux sociaux, l'Internet. Eh bien, vous dites, mais en fait, même pour nous, humainement parlant, ça nous dépasse. Et c'est possible. Bien sûr, le Seigneur, et heureusement, n'a pas la même logique que la nôtre. Mais pour nous donner un encouragement, nous qui sommes très cartésiens parfois, c'est pour nous dire qu'en fait, c'est possible. Que la bonne parole soit prêchée dans le monde entier. Jésus avait promis que cette bonne parole soit prêchée. La question qui reste à nous poser nous-mêmes, chacun d'entre nous, est
ça mérite une réflexion à part. Quel est mon rôle dans cette propagation de l'Évangile? Quelle est ma place dans cette propagation? Est-ce que je suis un bénéficiaire? Est-ce que je suis même moi-même une partie intégrante de cette bonne propagation? Et quel est mon rôle effectivement? Ça mérite réflexion aussi. Jésus a promis qu'il reviendrait. Et cela, humainement parlant, ce n'est pas possible au niveau des dates, au niveau des calculs, mais nous savons que dans la promesse qu'il a faite, tout cela est possible. Jésus revient. C'était aussi la passion des grands hommes sur cette terre. C'était aussi la passion, l'objet d'une étude approfondie des différentes personnalités qui ont vécu sur terre. Je mentionne ici rapidement Martin Luther. C'est un personnage important. Cette année, on parle souvent de lui. On fête le cinquième centenaire depuis l'affichage des 95 thèses qui ont été postées, affichées sur la porte d'une église en Allemagne. Des thèses importantes qui marquent un tournant dans la conception du salut personnel vis-à-vis de Dieu. Eh bien, Martin Luther, lui aussi, il était passionné par ce sujet, le retour de Jésus. Il appelait ça une petite tentation, à savoir faire des calculs, essayer d'identifier dans des textes s'il est possible d'entrevoir telle année, telle période. Bien sûr, il était conscient que faire des calculs, ce n'était pas la bonne approche, mais il disait, quand même, dans les textes, on se rend compte que Jésus doit revenir bientôt. C'était sa conclusion. Et il faisait de cela, disons, son passe-temps. Il appelait ça « perotium passe-temps ». C'était son passe-temps de calculer, d'entrevoir dans les textes, de se battre, se bagarrer avec les textes bibliques pour comprendre est-ce qu'il y a moyen de savoir quand Jésus reviendra. Ce qui a marqué sa pensée, c'est surtout les événements qui étaient à l'époque d'actualité. Par exemple, à l'Est, on a un danger, une menace. Et bien, il y a la capitale de l'Empire byzantin, Constantinople, en 1453, est tombée entre les mains des Ottomans. Pour lui, et pas que pour lui, pour les Européens de l'époque, c'était vraiment un événement important qui marquait, qui frappait les esprits par rapport à la recherche prophétique. À l'Ouest, un autre événement ouvre l'horizon, et c'est la découverte, 1492, d'un monde nouveau. Effectivement, on découvre l'Amérique. Donc, tous ces événements bousculent, transforment la manière dont on voit le monde qui est parfois habituel, dans la routine. Eh bien, ces hommes sont frappés par ces événements et commencent à approfondir l'étude de la parole biblique. À cela s'ajoute aussi le fait que certains astronomes, certains spécialistes commencent à chercher dans des astres, dans des textes, pour savoir s'il y a un lien, s'il y a une corrélation, pour identifier le retour de Jésus. Cette passion ne s'arrête pas juste à l'époque de Martin Luther, au XVIe siècle, elle reviendra, et avec beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de pertinence, au XIXe siècle. Et on sait qu'en Amérique, mais pas qu'en Amérique, mais en Europe aussi, il y a une vague qui commence à marquer les esprits des uns et des autres pour trouver dans les textes bibliques le fondement de la promesse, à savoir Jésus revient. Certains, comme pour le premier siècle, sont partis trop loin dans les calculs, d'autres sont restés non pas dans les calculs, mais dans les faits, à savoir Jésus revient. Cette promesse va marquer l'esprit des uns et des autres tout au long des années pour dire une chose simple, Jésus revient. Il nous appartient à nous de chérir cette promesse, de la nourrir. Et quand on regarde les promesses bibliques, par exemple l'apôtre Paul en parle souvent, ce sont des promesses qui mettent en avant des événements, une série des événements qui vont culminer avec le retour de Jésus. On se souvient des textes comme par exemple 1 Corinthiens chapitre 15 ou un texte comme 1 Thessaloniciens qui parle de la résurrection des morts, la dernière trompette et le retour de Jésus. Et là nous pensons à des moments qui
sont forts, qui sont émouvants, parce que tous ceux qui sont partis avec cette espérance, avec cette promesse qui est devenue une partie de leur vie, eh bien, un jour, ils seront à nouveau ensemble avec ceux qui auront aimé le Seigneur pour être tout avec lui pour toujours. Comme vous le savez, j'ai perdu ma mère il y a quelques jours et je tiens à vous remercier pour vos soutiens que j'ai reçus de la part des uns et des autres. Et je me suis rappelé effectivement, moi aussi, de cette promesse qui sont des promesses bibliques. Et il est important de savoir que Jésus a promis qu'un jour nous serons ensemble par la grâce du Seigneur. Et tous ceux qui sont partis, tous ceux qui ont vécu sur cette terre, mais qui ont eu comme fondement de leur foi, de leur vie, cette promesse, nous pensons, nous considérons qu'un jour, pourrons être ensemble avec le Seigneur. Toutes ces promesses vont devenir réalité, parce que le Seigneur l'a promis. Dans quelle mesure sommes-nous prêts à accepter ces promesses, à les faire grandir dans nos cœurs, à les faire mûrir, afin que ces promesses deviennent réalité? Bien sûr, il y a le piège des calculs, il y a le piège de la routine. Mais le Seigneur veut nous arrêter, non pas sur des chiffres, non pas sur notre train-train habituel. Il veut simplement nous rappeler que ces promesses deviennent réalité par sa grâce. Jésus revient. Je me souviens de ce qu'un moine avait comme prière habituelle tous les jours lorsqu'il se réveillait. Et il disait dans sa prière, « Seigneur, peut-être que c'est aujourd'hui ton retour. Aide-moi à être prêt pour te rencontrer. » La journée se passait normalement, Jésus n'était pas revenu ce jour-là, et il se mettait à nouveau à genoux le soir. Et il faisait plus ou moins la même prière en disant, « Seigneur, je constate que tu n'es pas venu aujourd'hui, mais peut-être que ça sera cette nuit, et je veux être prêt également. » Il recommençait la deuxième journée le lendemain, pareil, avec la même prière, tous les jours. Seigneur, peut-être que c'est aujourd'hui. Jésus revient. Martin Luther disait aussi, Seigneur, reviens. Viens, cher dernier jour. Il appelait comme ça, viens, cher dernier jour. Jésus revient. Nous avons besoin d'entendre cette invocation, cet appel, Jésus revient. On se souvient de ce que l'apôtre Paul avait écrit, c'est une fois dans la Bible, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22, un texte qui est resté en araméen, Maranatha. Soit on écrit Maranatha, et à ce moment-là, c'est une description, c'est un indicatif, notre Seigneur revient, c'est une affirmation, soit plutôt un vocatif, Maranatha. Seigneur, reviens. Je pense que c'était plutôt la deuxième lecture qui est plus intéressante. Ce n'est pas juste un constat, ce n'est pas juste le fait de décrire que Jésus revient, mais c'est une manière de supplier, de prier. Jésus, reviens. Jésus revient. Nous voulons le dire dans nos cœurs, nous voulons le dire dans nos vies, nous voulons le dire dans la façon dont nous menons notre vie sur cette terre, dans nos contacts, dans nos expériences, dans tout ce que nous allons faire, sans tomber dans la mystique, dans tout ce qui est extrême, dans des aspects qui n'ont rien à voir avec une responsabilité. Au contraire, le Seigneur nous appelle à être dans cette responsabilité, tout en chérissant, tout en aimant cette promesse qui est le retour de Jésus. Comment faire? Alors, on se souvient parfaitement, et là je cite encore Martin Luther, ça sera la dernière fois aujourd'hui, eh bien, il dit, c'est une expression intéressante, il dit, si je savais que le retour de Jésus était pour demain, aujourd'hui, je planterais un arbre. Quelle sagesse! Pas délaisser nos devoirs, nos préoccupations sous prétexte que Jésus revient. Vous imaginez quitter nos maisons, oublier le devoir, ne pas travailler, délaisser le bac, c'est la période des examens, parce que le Jésus revient. Non, nous voulons rester sur les barricades, nous voulons rester concentrés sur l'échafaudage, nous voulons être là sur le chantier, prêts à travailler. Et si Jésus dit stop,
ne travaille plus. C'est bon, c'est fini, mais on arrête. Je pense que c'est une sagesse dont la parole de Dieu nous parle souvent, avec cette responsabilité, cet équilibre entre, d'une part, l'urgence du retour de Jésus, et d'autre part, rester concentré sur la mission qui nous a été confiée. Je rappelle également une pensée d'Ellen White qui disait aussi, toujours dans la même veine, dans la même idée, elle disait « travailler ». Travaillez comme si le retour de Jésus était dans 1000 ans et soyez prêts, comme s'il était pour demain. Que le Seigneur nous aide à avoir cette sagesse, cette volonté d'une part d'aimer, de faire nôtre la promesse du Seigneur car il revient et en même temps d'être impliqué, responsable dans la mission qui nous a été confiée. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.